Si elle a hérité du titre de princesse de Galles depuis près d'un an, Kate Middleton ne s'acquitte pas de tous ses devoirs. Kate Middleton oublie certains de ses devoirs de princesse de Galles. Elle oublie parfois qu'elle n'a pas le droit de porter des diamants avant 18h. L'étiquette lui interdit d'accepter des cadeaux des personnes qui ne font pas partie de la famille royale. La princesse veille cependant à ne pas se coucher avant Charles III. Membre éminent de la firme, Kate Middleton est devenue officiellement princesse de Galles lorsque le roi Charles III a prononcé son premier discours au peuple britannique le 9 septembre 2022. En tant qu'héritier, William assume désormais les titres écossais qui ont tant compté pour moi. Il me succède en tant que duc de Cornouailles et assume les responsabilités du duché de Cornouailles que j'ai assumé pendant plus de 5 décennies, déclarait le successeur d'Elisabeth II lors de son allocution. Avec Catherine à ses côtés, notre nouveau prince et notre nouvelle princesse de Galles continueront, j'en suis sûr, à inspirer et à diriger nos débats nationaux, en aidant à mettre les marginaux au centre du terrain où une aide vitale peut être apportée. La duchesse héritait ainsi de son nouveau titre dans le sillage de la défunte princesse Diana. En interview avec Hello, une source proche de Buckingham certifiait à l'époque que le prince et la princesse de Galles aborderaient leur rôle de la manière modeste et humble. Si elle apprécie l'histoire associée à ce rôle, Kate Middleton n'en trace pas moins sa propre voie, le regard tourné l'avenir. Au point d'oublier parfois de se plier à deux des trois règles de base pour une princesse de son rang. La première lui interdit de porter des diamants avant 18h. Une règle à laquelle elle peut contrevenir en arborant des diadèmes ou un accessoire religieux. La firme lui interdit également d'accepter des cadeaux provenant de personnes extérieures à la famille royale. Selon le site web des Windsor, les présents seront refusés en cas de doute sur la propriété ou les motivations du donateur ou sur le cadeau lui-même. La princesse veille cependant à se conformer à la troisième règle qui la vise de ne jamais se coucher avant Charles III. Le fils d'Elisabeth II veillait d'ailleurs lui-même jusqu'à ce que sa mère ne s'en aille dans sa chambre. Cette autre bourde commise par Kate Middleton particulièrement impliquée dans l'éducation de ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, Kate Middleton a parfois du mal à assumer ses rôles de mère et de princesse. Au point de se prendre les pieds dans le tapis. Aux dernières heures de l'été 2018, la future princesse de Galles avait omis un détail important. George, alors en passe de faire sa rentrée à la Thomas London Day Schools, n'avait pas la moindre chaussette pour essayer des chaussures. Sa mère avait demandé en urgence une paire au directeur du magasin. Un royal faux pas qui n'avait pas échappé à l'époque aux tabloïds. Kate Middleton n'en reste pas moins une maman très attentive, toujours aux petits soins pour ses enfants.